I can't sleep. Ouais, y a pas les bruits, donc je l'ai fait moi. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Life is Strange. Ah Et on oui, va tu m'as prendre un oublié ça. petit selfie pour commencer l'épisode. Dans le bain! Ah! J'y crois pas. It Elle s'est feels like a endormie? different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. Et oui, parce que si vous vous souvenez, dernier I'd like to épisode, do nous sommes something allés good for my school dans and l'académie, AAA. en I Scred. can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Mais Every great artist non. gets rejected before they get accepted. So you have to enter a Ouais, photo. j'ai pas envie d'être accepté à Even ma though I'm pimping the mort. school and town you want to torch. Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. Ouais, Wish mais we could just hang out all morning like we tu used comptes to. partir avec moi, vous? Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Allez, nous nous levons, hein. C'est l'heure de se lever là, il faut pas déconner non plus. Bah, lève-toi! Petite musique qui va bien pour débuter. Ok, I need to get dressed now. Alors, il faut que je m'habille et Warren direct m'envoie un message, hein, parce qu'il a que ça à faire, Warren. Heureux de voir que t'as pas fait exploser Blackwell hier. Enfin, presque heureux. En fait, apparemment, tout le monde veut aller au drive-in. Alors, j'achète les billets maintenant. Je te laisse t'occuper du pop-corn. En d'autres termes, tu peux plus te dégonfler maintenant. Comment ça, je peux... Bien sûr que je peux me dégonfler. Je vais me dégonfler. Putain, mais papa, il a la classe. Allez! Oh, le mec, il est barbu et tout. Il a trop la classe. J'avais pas vu. Ouais, la musique. Les vêtements, c'est les miens? Ouais, c'est les miens. Ah, j'ai foutu ça n'importe comment. Still reeks like a chlorine factory. Ah bah ouais, évidemment. See if you On a can posé ça par find a terre. suitable outfit in my fashion hole. Allez, cherchons dans son bordel. Non, plutôt dans le placard. On va pas s'y Okay, cacher, hein. time for some Chloe cosplay. Cool, trop Hey, bien. there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. Ah, c'est But peut-être not mieux quite your alors. style. Comment ça, c'est pas Max, mon you don't style? have a style yet. At least give it a try. Si, mon style de You geek! can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on Ouais. and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. Allez, je veux m'habiller For moi. example, I dare you to kiss me. What? Non? I double dare you. Kiss me now. Regarde cette... Allez, moi je l'embrasse. Elle s'y attendait pas, hein. T'es deg. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him not to take a Ah! chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Voilà, je prends un peu confiance en moi. Man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Bah, s'y attendait pas, mais n'empêche qu'elle t'a foutu un râteau, mais. Elle t'es deg ou pas? Bref. Habillons-nous. On va pas remonter le temps, c'était très bien comme ça. Ah mais c'est pas beau, on dirait une tenue de bûcheronne. Déchirée en plus. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit Non of Shaka merci. Bra? Un tatouage, Maybe je veux not. bien, piercing, non Go on down merci. and say hi to Joyce. Free breakfast? I have to wake up Nick Ah. first. I promise I'll be quick. Je veux pas savoir ce que Just tu vas tell faire Eli pour to te find out, détendre. okay? Quoique. Allons-y.
On va descendre, on va aller voir Joyce pour avoir un petit déjeuner gratuit. Ah. Mademoiselle Caulfield, je tenais à vous remercier de vos actions envers ma fille Kate. Vous avez fait preuve de grâce et de courage en montant avec elle sur le toit. Sachez que vous avez fait tout votre possible et que la vie de Kate n'était pas trop entre vos mains, ni entre les siennes à ce stade. Kate nous a quittés pour un meilleur monde, mais elle sera toujours avec nous. Et je sais qu'elle vous souhaite une vie bénie, longue et dynamique. Notre famille vous inclura toujours dans nos prières. Paix et joie, Richard Marsh. Oh merde, c'est trop triste. Ouais, ouais, ça sent bon. Je viens de recevoir un SMS et elle, tout ce qu'elle pense, c'est à bouffer, hein. What the fuck? C'était quoi ce bruit? Ah, y'a l'oiseau! Je croyais que c'était là, Bloody Mary, Bloody Mary, Ah, tiens, on va prendre une photo. Avec le petit oiseau. Non? Voilà, il y a l'oiseau derrière, en plus, c'est trop cool. Et c'est l'oiseau qu'on avait sauvé, il est encore là? No way. That's the bluebird I saved Monday and Joyce. Ah ouais, il est là, hein, c'est toujours le même. Chloe has had this damn dirty pirate towel since on s'en fout de cette serviette. Truc inutile. Alors, on va se brosser les dents avant de manger, parce que c'est très important. Oui, oui, avant de manger, hein. C'est toujours comme ça, on a la nourriture, un petit goût de dentifrice, c'est génial. On va se laver le visage. Voilà. Oh d'ailleurs, tu devrais prendre une douche plutôt, parce que le chlore, bon, voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, allez, on va aller bouffer. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Attends, on va voir. Surprise! Ah merde. Aha! The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Oh, trop touchant. C'est la photo que j'avais prise avec le papillon. Ah, oh, on me voit dessus. Ah, il y a des capotes, bravo, bravo madame. Allons-nous-en. Maintenant, j'ai faim, il est temps d'aller manger quand même. Pas déconner. Non, souris gauche. Gauche, c'est voilà, c'est vers l'ouest. Merde. Coucou, j'ai faim. Tu sais même pas que je suis là parce que tu ne m'as pas entendu rentrer vu qu'il était tard. Salut Joyce. Good morning Joyce. Rachel. I mean Max. Oh, you startled me. You fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want. Aya. Ça veut dire que Rachel était pas si sage que ça, hein. Des œufs et du bacon. And bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, "Wakey, wakey, eggs and bacon." Totally. We wake up so fast. So this time. Regarde-moi cette morphale. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. Vas-y, j'ai pas que ça à faire là. Tu peux pas faire à bouffer. Putain, j'y crois pas. Ouvrir. Alors les œufs, ils sont où, les œufs. Oh, bacon. Et j'ai pas pris les œufs? Je peux pas me servir de l'eau? Non. Tiens. Come on, Max. Find those ingredients so we can chow down. Quoi? Ah, j'ai que le bacon là? J'ai pas les œufs? Elle a mis où les œufs? Pas dans le frigo? C'est ça? Bah, dis-moi où. Où sont les œufs? Me dis pas qu'il y a une poule dans le jardin. Il y a une poule dans le jardin. Il y a pas de poule dans le jardin, donc il y a pas d'œuf. Oh! Oh, dead bird. Oh non, il est mort. J'en ai sauvé un alors qu'il y en a un autre qui est mort derrière. Un autre! What the fuck? I wonder how these birds died. Mais c'est la razzia ici. Sérieusement? What? Three dead birds lined up? That's fucking ominous. Qu'est-ce qui... Oh là là, la tempête arrive. Non, je cherche des œufs. Il n'y a pas des œufs hein, ici. Il y a des mouches, mais pas d'œufs.
Dégueulasse. Bon, bah, je ne sais pas. Tu pouvais pas laisser ouvert quand même, t'abuses. Bon, où sont les œufs? Putain, je cherche les œufs, je les trouve pas. Tiens, les œufs. Mais ils sont où ces ingrédients? Oh, je vais passer 2 heures à chercher des œufs, tu crois? J'y crois pas. Flyers, non. Je peux effacer le répondeur, hein, en fourbe. On va écouter, tiens. David, this is Officer Korn. Just want to let you know your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night. Oh merde! On the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Ok, alors très bien. On va remonter le temps. Hop, avant d'écouter et on va effacer direct, hein. Goodbye message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Ouais, ouais, ouais. Wow, Chloe still eats the same cereal. Eh, mais so sérieusement, je vois pas où sont les Joyce les looks oeufs. So different in her street clothes. Ah, ils sont là. D'accord, elle a fait les courses avant et tu ranges pas dans le frigo. Bah bravo. Eh, il faut ranger dans le frigo là, c'est dégueulasse. Tout ce qui est frais, ça va périr. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, c'est mignon. Remind me so much of her. Such a sweet girl. Bah, elle a eu des amis un peu chelous, hein, on va dire. I'd love to think that too, Joyce. But we are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Wherever she is. Ouais, moi aussi. Comment ça, une dispute? Il y avait une dispute? Rachel might be mad at Chloe and left with her. Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined. Ouais, voilà, il y avait pas eu de dispute. Reminded me of you and Chloe. But Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Pas du tout, moi je la démonte, Rachel. What? Pas du tout. No way. I know I was selfish when I left. I'm glad Chloe found a better friend. Mais non, c'est moi qui suis meilleur. Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits, I knew she would never find a better friend. And when you took the rap for that joint, you proved it. Thanks. But it seems like Chloe and me were pirates 1,000 years ago. And that makes me what? A century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. Ah, okay. Super cool. Go sit at the table. Ouais, 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 j'ai faim là. Allez. À bout les œufs. À table. Hop là. Et Chloé, elle vient pas? Je me sens un peu seul là. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est cool. Allez, file-moi à manger. On a faim. On a faim. On a faim. I'm never leaving this table. Si, quand même. Oh merde! Mais non, je peux pas faire la vaisselle depuis la table. Bon, on va manger. Je veux rester sur cette table. T'as relou la meuf. Je suis invité, je dois faire la vaisselle quoi. Bon ça y est, on a fini. Maintenant, mange. Those eggs and bacon to my belly. I guess nobody waters the plant here. Rajoute du beurre de cacahuète. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Kate's life was sure worth a nice exploitive headline. Ok, cool. Bah, je veux partir maintenant. Je peux? Je peux pas partir? Seeing you again, ah, made me remember so much. Ah, ça y est, elle a sorti les photos. Oh là là.
My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Je veux voir les photos, moi aussi. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this. Oh, merde. Ah. I know, Joyce. Eh oui, c'est pas David, hein. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. Ah oui, rien à voir avec la Chloé de maintenant. This was the last time I ever saw Chloe truly happy. Ah! Enfin, elle arrive. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. Oh, no one can joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Oh, c'est pas là les toilettes. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Bah, il est là l'ordi, donc on y va. No shit, it needs a password. How about connard en chef, ah. Pas mal, pas mal. Mais ça m'étonnerait qu'ils mettent ça en mot de passe quand même. Alors, cherchons le mot de passe. Non, il n'y a que de la bouffe là. Avec du fromage qui traîne comme ça, le truc ça doit puer la mort. Hein. Oh, c'est presque mignon. Beau-père ? Ça m'étonnerait, mais essayons. Such wrong. Ah, oh, c'est pas ça. Bon, on va voir ailleurs alors. Là, un cadenas. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. Attendez, il y avait Naturally, suivant aussi. David would buy a... I can even see the combination. That might be a useful password. 7171. On va chercher, on essaiera plusieurs d'un coup parce que. Nothing in it. Non, il n'y a rien ici. Il n'y a que la télé d'espion. On va allumer, on va voir. Il y a peut-être un truc. Ah, là, sur ce cadenas, non? There's no way Chloe can put that gun back now. Ah ouais, bah ouais. Bon, on va l'éteindre, ça ne sert à rien de l'allumer. Là, dans le tiroir. Hmm. Maybe this ID number might work. Ouais, bah j'espère que tu as une bonne mémoire pour t'en souvenir. Hein. Parce que... J'ai déjà oublié, moi. Cherchons ici. Okay. Le numéro de permis, pourquoi pas. Là, il y a un livre. On s'en fout. La plaque d'immatriculation, non. Une cassette. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Oui, voilà, la date, c'est ce que j'allais dire. Donc, il y a peut-être, possiblement la date. Cute. Can't picture David. Oh, c'est trop mignon. This on the car. Donc là, il y a un sac. C'est quoi ce sac? That's Cherchons cute. Dans le sac. Could be a password ah here. C'est peut-être ça. Pourquoi pas? Un couteau? What? Qu'est-ce que le couteau il fait là? David Madsen might be an angel to somebody else. Ok, dans la voiture Now peut-être. The car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Sur le pare-brise.
Joyce might as well have wrote Let's Get Married. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est peut-être un honneur de vous recevoir au dîner, ça me fait plaisir de savoir qu'il existe. Ah, on s'en fout. Genre David, c'est un gentleman, quoi. Bon, ah, le trophée. David a peut-être un numéro. 2001. Ouais, mais il est empaillé, donc ça craint rien. Allez, essayons un peu tous les mots de passe. Donc, famille, on avait ça. Magic 8 Ball says no. C'est pas ça. No way, Max. You totally froze the laptop. Remontons le temps. Hop, hop, hop. Utiliser. Perso. 7100. Oh, try again. No way, Max. Et ouais, évidemment, à chaque fois que je fais ça, ça. Est-ce que si je remonte plus loin le temps, j'aurai toujours les trucs? Bon, on va essayer. Perso, essayons ça. Nope. C'est pas ça. Ouais, forcément. Bon, je vais devoir remonter le temps à chaque fois, hein, puisque j'ai déjà fait des mots de passe, j'aurais pas dû le faire. Perso, ça. Oh, merde. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pas ça non plus. Utiliser. Armée. Worst hacker. Ever. Ah bah ouais, je suis vraiment la pire. Hein. Il y a pas une seule bonne réponse. Merde. Allez, j'ai tout fait là. Such wrong. Oh, mais c'est pas possible. À tous les coups, c'est le dernier. Hop, armé. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Bon. Du coup, j'ai dû rater quelque chose. Mais quoi? Ici, j'avais tiré? Ouais, j'avais tiré. Donc, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai raté? Joyce might as well have wrote Let's Get Married. That might be a useful password. Ah là! Là, j'ai trouvé! J'avais pas regardé. Au revoil. Eh, au revoil. Revenez bientôt. Putain. D'accord, c'est ça son mot de passe. C'est clair et net. 27, 11, 8. C'est sûr que c'est ça. Voilà. C'était sur le parsolel. J'avais pas regardé à côté. Bah, très bien. Utiliser. Famille. 27, 11, 8. Ah ah! Et du premier coup, puisque j'avais tout remonté. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Ah, ils sont sortis ensemble. Ah. C'est pour ça qu'elle était aussi énervée, là, Chloé. Et du coup, c'était bien lui derrière la caravane avec le chien là. Stalking Kate, David could have helped her. Qu'est-ce qu'il a écrit? Kate prend toujours le même chemin. Discussion entre Kate et Dana. Vu Kate avec son groupe religieux. Kate reste dans les toilettes plus longtemps que les autres élèves. Drogue. Ah, ah ouais, elle croyait vraiment que c'était... Quoi? Creepy. Mais c'est moi, ça! Pseudo et Max. Ouais. Mad Max, Max Factor, Noir... Ah ouais, il me surveille vraiment. Ok, c'est tout? I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make. Ah mais éteins-le parce que là, il va te capter. This is ah, mais on so a tout wrong. Vu. Bon, oh, très bien. Bastard. Bon, on se barre vite. Allez, j'ai fini d'être aux toilettes. Un message. Salut Max, je voulais juste te remercier de te faire du souci pour ma mère et moi. T'étais vraiment cool avec Kate quand tout le monde s'en foutait. Merci Tyler, je sais que tu as bon cœur. Pas assez pour la sauver, mais je suis là si tu as besoin de parler. C'est vraiment gentil. Voilà, je commence à me faire ami avec tout le monde, c'est cool. Hé Chloé, il y a un problème. Oh merde, pourquoi il est là lui? Non!
David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. Oh là là. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. C'est pas nous. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was black whale students? Who else? Ouais, s'il faut, c'était des vandalistes. I'm gonna bust them. Bon, regarde pas comme ça, c'est pas moi. J'y suis pour rien. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about wow, oh, comme c'est dégueulasse. You and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start. Allez. Not now. On balance. Rien à foutre. You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Voilà, là ça... allez, je prends le parti pour Chloé parce que j'en ai rien à foutre de David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. Voilà, allez, pime dans ta gueule. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? Allez, hop là, on fout la merde. I do not have to take this kind of interrogation. Non, mais t'es dans la merde, mon gars. C'est tout. Oh, you're turning on me now, huh? Of course, women always stick together. Oh, le mec. David, you better go to a hotel until we figure this out. Et hop là, un couple de brisé. Kick me out of my own home. It's my home, David, paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. Alors, t'es deg, David? T'as qu'à pas t'associer à Nathan, là. Joyce doesn't hate me for tearing into David. I don't want to see or hear you again, Max. Ouais, ouais, je m'en fous de ta gueule. Non, mais c'est ça. Ça va, Joyce? Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Je suis désolé pour toi. Désolé pour toi, mais pas désolé pour David. Et c'est sur ça que nous allons nous laisser, sur cette rupture de Joyce. Eh oui, mon gars, tu vas pas dormir sur le canapé, mais carrément à l'hôtel. T'es deg ou pas? T'es deg, hein? Regarde-moi ta sale gueule, là, vas-y. Et rase-toi la moustache un peu, rase-toi la moustache, c'est fini. C'est plus la mode. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous fais un gros bisou, bye bye.